Bienvenue ici pour cette finale du centre. 31 personnes ont chanté cette semaine. On en a sélectionné 10. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, ça veut dire simplement qu'il y a encore un petit peu de travail derrière. Et on les attend. Donc il reste deux étapes, mesdames, messieurs, Prix et Morges. Voilà, les Montrussiers est également partenaire du tour avec le stand là-bas. Et tous les candidats ont reçu une montre offerte donc par UCS. Merci beaucoup, UCS, pour ce magnifique cadeau depuis début de l'année. On va accueillir tout de suite, mesdames, messieurs, la gagnante de l'année passée. Elle était jeune fille, elle est devenue femme, très belle. On peut l'applaudir, Adriana, mesdames, messieurs. Vous la voyez partout, sur les panneaux, sur les drapeaux. Elle est partout. Elle va vous chanter une chanson, « Still into you ». Et vous aurez, juste après la pause, enfin, après avant la délibération, vous aurez... la possibilité d'écouter son nouveau single qu'elle vient d'écrire avec Paul Sutin et Mauricio Guerrero, donc en téléchargement sur le site Kids Voice et sur toutes les plateformes légales. Merci. À toi, Adriana. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. De l'année passée. Ok, on enchaîne avec la première candidate, mesdames, messieurs. Sous vos applaudissements, Amélia qui va venir me rejoindre. Amélia, voilà. Voilà, elle ne prend pas mes escaliers. Viens seulement. Ça va? Je te donne ton petit micro. Voilà. Ça va? T'as pas trop le trac? Attends, mais voilà, mets tout près de la bouche parce que les jurys sont là. T'es venue chanter cette semaine, tu croyais pas être prise. On t'a téléphoné hier soir. T'étais contente, hein? Oui. Je t'ai dit aujourd'hui, les jurys sont là. Il y a des gentils, il y a des méchants. Mais bon, c'est plutôt des beaux garçons et des belles filles qui sont là. Voilà, donc, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Read All About It de Emile Sandé. Voilà, donc c'est celle-là que tu avais chanté au casting déjà? Oui. Voilà. Et tu as été choisie grâce à celle-là. Donc, on va te réécouter. Laisse-toi aller, fais-toi plaisir, amuse-toi. Et puis, on se revoit après. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Amélia. Bravo Amélia, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans? Waouh! 10 ans, ah ben, pour chanter comme ça juste à 10 ans, je te félicite. Alors, moi j'ai tout simplement été charmé. J'étais, à un moment donné, j'ai fermé les yeux pour ne pas te voir parce que j'imaginais déjà une chanteuse grande. Et puis quand j'ouvrais les yeux, je te voyais magnifique là. La seule chose que je pourrais dire, c'est au niveau peut-être du regard. Parce que des fois, je perdais ton regard. Et puis, il allait un peu... peut-être tu étais dans ta tête quelque part, mais on perdait un peu ton regard. Et c'est vrai que quand il y avait le regard et ton sourire, ben voilà, c'était gagné. Bravo, Amélia. Merci. C'est Béatrice qui va venir me rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Béatrice, que voilà. Voilà, mademoiselle. Ça va? Oui, ça va. T'as plus le trac que la dernière fois. Hein? Un petit peu, ouais. Un petit peu, hein. Quel âge tu as, Béatrice? J'ai 15 ans. 15 ans, Béatrice qui a 15 ans. Et qu'est-ce que tu vas chanter? Je vais chanter All of Me de John Legend. You've got my hands spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in our beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux maintenant. Hein. Tu joues
juste un... Bravo, bravo Béatrice. Alors vraiment j'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de nuances et j'étais bien avec toi, tu m'as emmené quelque part, vraiment c'était très bien. Et ça fait longtemps que tu chantes ? 4 ans je crois. 4 ans, et tu prends des cours de chant ? Oui, je prends les cours. D'accord, super. En tout cas, là, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est ton passage entre la voix de poitrine et la voix de tête. Ouais. C'était vraiment super quand tu passais en voix de tête, c'était vraiment très très joli et bien, c'était bien fait. Et peut-être juste un petit truc peut-être que tu pourrais travailler, c'est peut-être la voix de poitrine. Quelquefois elle est un petit peu trop en force et du coup, quelquefois c'est un petit peu bas dans la justesse. Ouais. Voilà, mais c'est un petit conseil que je pourrais te donner, c'est tout, mais j'ai bien aimé, bravo. Hein. Merci. Voilà, je vais demander à Amanda de venir me retrouver, s'il te plaît. Voilà, bonjour Amanda. Voilà, je mettrai l'escalier de l'autre côté la prochaine fois, promis. Hein. Ça va ? Oui. Ouais, ça a l'air. Hein. Un peu le trac ? Ouais, ils sont tous gentils, là, regarde comme ils te regardent tous. Ils sont là tous pour toi, ils ont fait le déplacement exprès pour toi aujourd'hui. Quand c'est samedi, puis il y a plein de choses à faire le samedi. Mais non, ils sont tous là. Quel âge tu as, Amanda ? 12 ans. 12 ans, tu es venue chanter cette semaine également pour le casting. Est-ce que tu pensais qu'on allait t'appeler ? J'ai espéré très fort. Elle a espéré, tu mets bien le micro, t'ouvrais de la bouche, parce que sinon, ils ne vont pas bien t'entendre. T'as espéré très fort. Qu'est-ce que t'avais chanté déjà au casting ? Il jouait du piano debout. Il jouait du piano debout, voilà, ouais. C'est ce qu'ils ont écouté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Je ne sais pas, de Joyce Jonathan. Voilà, alors on te laisse la scène. On peut l'applaudir et on se retrouve tout à l'heure. Comment te dire, je ne veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que cette couleur est fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je ne vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde. Et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te le dire, j'en ai peur de tout foutre en l'air. Détruire, infalité à mettre en terre depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière. C'est, ce qui est important, c'est que tu, on dirait que tu étais joyeuse, tu t'amusais bien, et donc on se sentait bien aussi. Merci. Ça va ? Oui, très bien. Ok. T'es plus stressée que pendant le casting, moins ? Ouais, un peu moins. Un peu moins ? Ah, bon, t'es comme à la maison ici. Les jurys seront là, ils sont là, ils vont t'écouter. Quel âge tu as, Lola ? J'ai 13 ans. 13 ans. Tu fais partie d'une école de chant ? Oui. Voilà. Donc, il y a pas mal de candidates qui sont venues ici, font partie d'une école, qui sont venues tout au long de cette semaine. Merci aux institutrices qui sont là. On ne dit pas les institutrices, on dit des professeurs, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas chanter, Lola ? Titanium de Sia. Voilà. La scène est à toi. Fais-toi plaisir. Merci. Et puis, on se voit après. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ricochet, you take your aim, fade away, fade away. You shoot me down, but like one fall, I am dead. You shoot me down, but like one fall, I am dead. Moi, j'ai bien aimé. Merci. Parce que depuis le début, t'es la combien ? Quatrième à passer. Il y a eu de l'émotion sur ton visage, du début jusqu'à la fin. Enfin, hormis la petite bêtise sur la fin, mais sinon, t'as rien lâché. T'étais toujours là. Alors, oui, il y a certainement quelques petites imperfections, mais moi, tu m'as emmené quelque part, et pour ça, merci. Allez, je demande à Salomé de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Allez là. Ça va ? Oui, ça va. La plus grande de toutes. Quel âge tu as ? Je viens d'avoir 16 ans. Voilà. Ok, tu es venue cette semaine chanter, tu avais moins le trac. Maintenant tu l'as, les jurys sont là, comme je t'avais dit cette semaine. Étonnamment, j'ai moins le trac maintenant qu'avant, en fait. C'est moi qui t'ai frais, quoi. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salomé, on peut l'applaudir, merci. Ok, on va t'écouter, qu'est-ce que tu vas nous chanter, Salomé ? Back to Black de Amy Winehouse. Ok, la scène est à toi, fais-toi plaisir.
Et on se retrouve tout à l'heure. Merci Salomé. My heart hurts then, I go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, I go back to. Bravo Salomé. Merci. T'as pas choisi une chanson facile parce que elle laisse la moitié de la chanson, c'est une note. Donc c'est pas facile de la faire évoluer. Donc toi, ton avantage, c'est que t'es une vraie alto. C'est-à-dire que t'as un timbre très chaud, très chaleureux dans les graves. Donc c'est une chanson qui te va très bien. C'est vrai que quand ça commence à monter, ben on sent que voilà, on sait pourquoi t'as choisi cette chanson. Donc bravo pour le choix, ça te va très bien. Et voilà, tous les jurys sont là, ils sont prêts. Oui, oui, ils sont taqués. Cabri qui va chanter son single, Tout ce que je veux. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs, Cabri. Voilà. Avec son nouveau single qui est là derrière lui, à l'envers. Vous pouvez l'acheter, il est tout frais, tout neuf. N'hésitez pas, il vous le dédicacera. Et il fait partie du jury depuis déjà un an et demi. Merci d'être là, de nous suivre. Merci. On peut l'applaudir Cabri, mesdames, messieurs. Tout ce que je veux, tout ce que je peux, chanter les rêves dans les yeux. Tout ce que je veux, là, tout ce que je peux, c'est m'en apporter aux autres. Tout ce que je veux, là, tout ce que je peux, chanter les rêves dans les yeux. Tout ce que je veux, là, tout ce que je peux, c'est m'en apporter aux autres. Anastasia qui est déjà venue à un casting de Genève, qui avait le déplacement Montreux-Genève pour venir chanter, elle est revenue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Anastasia, aujourd'hui? Wasting My Young Years de London Grammar. Et au casting, qu'avais-tu fait? Moi, je m'en rappelle plus, c'est pour ça que je te demande. Alicia Keys. Ah, je sais plus le. Bon, c'est pas grave. Quel âge tu as, 14 ans. 14 ans. Alors, tu es encore aujourd'hui. Et si jamais deux autres magasins, je vous rappelle, n'hésitez pas de revenir dans les autres magasins. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose qui a plu à notre jury. Donc, n'hésitez pas de revenir à Prix ou à Morges également pour les deux derniers castings avant la demi-finale. Le 20 décembre, c'est un dimanche. Donc, n'hésitez pas de vous qualifier. Anastasia, on te laisse la scène. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Applaudissements pour Anastasia, s'il vous plaît. Moi, j'ai aimé le fait que dans les grands moments, tu étais très à l'aise et ça semblait comme aucun effort, mais vraiment, tu avais une grande puissance. Mm-hmm. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que tu peux travailler avec des répertoires assez compliqués et tu mm-hmm. sembles à l'aise. Et c'est déjà un bon début pour toi. Oui. Donc, bravo. Merci. Applaudissements pour Marie, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Je crois que l'on sent en toi, mais c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort qui t'a consumé, Marcia. C'est la corsaire que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendres, en sang. Et la mort, c'est une chose impossible. Et même à toi qui es la vie, même Marcia. Et même à toi qui es forte comme une fusée. On peut pas chanter Marcia Baila de Rita Mitsouko sans avoir un brin de folie. T'es complètement barrée, ma fille, et bien joué.
C'est exactement ce que fait aussi, c'est comme ça qu'on l'attendait. Et quand j'ai vu le titre de la chanson en recevant l'affiche, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Et ben, c'était complètement barge, c'était super cool. T'as commencé à la chanson avec un très beau vibrato, très discret, mais que j'ai beaucoup apprécié. La justesse, ça va très bien. Par contre, trop de mort tue la mort. À chaque fois, t'as fait le même effet, mais c'est la mort qui... Tout le temps, la même chose à chaque fois. Donc, le faire une fois ou le reprendre après, mais à chaque fois, on sentait bien que tu préparais le truc. Il y avait le même geste à chaque fois, le même... Peut-être laisser un peu plus de... Mais c'était exceptionnel, tu m'as emmené, j'ai rigolé, ça m'a plu, j'ai tapé dans les mains, tu es jolie, tu es souriante, merci de t'être habillée un peu originale parce que j'ai l'impression d'être le seul dans la salle à être habillé comme un clampin. Et en fait, on est deux, donc ça me fait plaisir. Tu as tout. Franchement, moi, j'ai vu une artiste sur scène, ça m'a plu. Et pas trop de... Non, pas trop. D'accord. Je vous rappelle les CD, celui de Cabri et de Voxette qui sont disponibles ici. 10 ans pour Voxette l'année prochaine. Allez, on continue tout de suite avec Lily, mesdames, messieurs. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oh, c'est des petits applaudissements, ça. Voilà, merci, tu vois. Voilà, ça va? Viens vers moi, Lily. Alors, je vous demanderai juste, Lily parle pas très bien français, elle parle l'anglais, donc si quelqu'un peut lui traduire un tout petit peu, ce serait gentil, parce que... Donc, Lily, quel âge tu as? J'ai 11 ans. 11 ans, d'accord. Et tu es venue chanter. Quel jour es-tu venue cette semaine? Je ne te rappelle plus. Bon, ça t'a pas marqué apparemment. Hein. Lily, qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui? Je vais chanter Flashlight de Jessie J. D'accord. La scène est à toi et les jurys t'écoutent. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Lily. Okay, Lily, that was great. That was really amazing. Thank you. How old are you again? 11. 11. That's really brilliant. I mean, you have a beautiful voice, a really nice tone, great sense of rhythm. You have a lot of things going for you. So, thank you. I would say, if anything, you have to work a bit on your diction and things like that. But you have everything to be a great singer. So you must work hard, and I'm sure you're going to do very well. Thank you very much. Quel âge as-tu, Narita? 13 ans. 13 ans. Et qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui? Titanium de Sia. Voilà, la scène est à toi, fais-toi plaisir, épate les jurys, et on se revoit après. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Narita, mesdames, messieurs. Alors, bravo à Narita. Merci. C'était une chanson difficile que tu as merveilleusement bien réussi à interpréter. Pourquoi difficile? Parce que avec les chansons de Sia, il y a une amplitude vocale très large. Elle chante très bas, elle chante très haut. Et puis toi, tu as réussi la performance de chanter les deux. Et puis en haut, que ce soit ni criard, ni moche, c'était juste beau. Donc bravo. Merci. Juste une petite remarque pour améliorer, non pas le chant, mais peut-être la présence. C'est une chanson dance, d'accord? Donc je trouve que t'es un petit peu statique. Là. Lâche-toi aller, du plaisir, quoi. C'est le dance floor, là. C'est du David Guetta. Merci. Mais bravo. Laetitia qui va nous chanter une chanson de Louane, Je vole. Oui. C'est celle que tu as fait au casting cette semaine? Oui. Exactement. Alors on va t'écouter, on te laisse la scène, fais-toi plaisir. Et on peut l'applaudir s'il vous plaît. Laetitia, merci beaucoup. Comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, elle m'observait hier, sous ce trouble et ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait.
un timbre vraiment magnifique. Merci. C'est vraiment, ton timbre, c'est un diamant. Vraiment, c'est très très beau. Et techniquement, je trouve ça super technique. Alors vraiment, tu peux faire des nuances, tu peux chanter fort, doucement, en voix de tête, en voix de poitrine, tout. Alors non, moi, ouais, techniquement, je trouve ça vraiment super bien. Et voilà, comme Cabri, je trouve un petit peu scolaire dans l'interprétation, hein, je dis. Mm-hmm. Voilà, peut-être. C'est la seule chose qui m'a un petit peu... Voilà, j'aurais voulu un petit peu plus de folie, peut-être. Okay. Voilà. Mais bravo. Merci. Très bien. Adriana, sous vos applaudissements, avec sa nouvelle chanson. Merci. Bravo, mesdemoiselles. Juste avant, n'oubliez pas également le nouveau CD à Cabri, Silence, qui est sorti, et les 10 ans également de Voxette. Merci à eux d'être là. Voilà, en troisième position. En troisième position, j'aimerais qu'on applaudisse, mesdames, messieurs, Lily. Adriana va te donner ton petit cadeau. Je te laisse avancer, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Lily. Ça va, troisième, c'est bien. Hein. Tu vas rechanter, tu vas discuter avec les jurys et tu vas revenir. Il reste deux magasins où vous pouvez sélectionner et les votes du jury également sur le site kidsvoice.ch. N'oubliez pas de voter jusqu'à la fin de l'année si vous voulez être comme Adriana et parcourir pendant une année tous les centres commerciaux et chanter la chanson qui sera écrite spécialement pour vous. Et en plus, vous partez à Los Angeles cette année, l'année prochaine, pour écrire votre chanson avec Paul et Mauricio. En deuxième position, après délibération très très dure, après de grands moments qui ont été discutés entre les jurys, c'est Marie, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Deuxième position. Voilà, vous êtes prêts? La première place ici, à Oran-la-Ville, a été attribuée à Anastasia, mesdames, messieurs. On peut l'applaudir. Anastasia. Le moment est à toi. Vous pouvez vous mettre la deuxième et la troisième à côté d'Anastasia, s'il vous plaît. Merci à toutes les autres candidats. Je vous laisse descendre de scène, s'il vous plaît. On peut les applaudir encore, les candidates de cette semaine. It doesn't matter.